Salut tout le monde, c'est Kirbendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon let's play de Rayman Legends. Il me semble que on va continuer 20 000 lumes sous les mers. D'ailleurs, j'ai plusieurs choses à vous dire. Ouais, c'est ça, 20 000 lumes sous les mers. Voilà. Alors. Et donc, on passe à Labo sous l'eau. Ok. Donc, apparemment, un niveau avec Murphy, hein, ça se voit encore. Voilà. Alors, en premier lieu, je voulais vous dire que, en réaction à ce qui s'est dit en fait sur les vidéos sur ma chaîne, donc c'est Mister Play TV officiel, voilà son pseudo, qui m'a dit que c'était marqué dans le manuel de Rayman Origins qu'on devait dire Lums, comme lumineux d'ailleurs, ils le disent en fait, Lums comme lumineux et pas Lums comme Burke. Voilà. Bon. Alors voilà, bon, s'ils le disent. Après, la question c'est de savoir si. Mince, ok. La question c'est de savoir si lums c'est invariable. Enfin, si lums c'est invariable. Et donc, si on dit un lums ou si on dit un lume et des lums. Donc, ça, on sait toujours pas. Voilà. Autre chose. Mais oula, c'est galère comme niveau. Ok. Très mauvais. Parce que là, il y a un passage en bas, ça se voit comme. Voilà, allez. Ah bah non. Ok. En fait, il n'y a pas de passage. Bon, moi, bah, j'ai perdu mon cœur pour rien. Dommage. Alors, et je voulais dire aussi, Yoshiroll m'a demandé si je pouvais montrer les nouveaux costumes que j'ai débloqués. Donc, à la fin de cet épisode, je vous montrerai les nouveaux costumes. Je le montre en fin d'épisode, comme ça, si ça vous. Si ça vous intéresse pas trop, et ben vous. Mince, si ça vous intéresse pas trop, vous pourrez tout simplement skipper la fin de la vidéo. Voilà. Alors là, je comprends pas trop. Là, il y a une cage ici, j'ai l'impression. Alors. Ouais, mais non. Ok. Ah, voilà, non. Ok. Voilà. Non, non, va par là. Non, mais comment on fait pour le faire monter là où il y a la cage? Tout, c'est peut-être même pas une cage, hein. C'est peut-être moi qui rêve. À cause du stylet, je ne vois strictement rien. Ça me barre la vue. Oula. Ok. Vas-y. Allez. Bah, tu fous quoi là? Bah, qu'est-ce qu'il était con? Parce que j'ai lu des tests du jeu. Et apparemment, l'un des défauts du jeu, c'était que l'IA n'était. Ah! Ah bah voilà, ok, je savais bien qu'il y avait une cage là. Donc l'un des défauts du jeu, c'est que l'IA n'était pas, pas n'est, enfin, était parfois assez mauvaise, et je crois bien le remarquer, en fait, là, il y a quand même pas mal de moments où l'IA, elle déconne un peu, donc on ne voit pas trop pourquoi. C'est vachement dommage. Mais bon. Tant pis, parce que de toute façon, ces niveaux-là ont beau être bien, ça reste que ce ne sont pas les meilleurs niveaux du jeu. Les meilleurs niveaux du jeu, c'était le niveau avec Rayman. Ok. Alors, je pense que dans cette vidéo, on pourra aller jusqu'au boss. Ça dépend quel. Mince. Ça dépend quelle durée vont faire les niveaux. Oula! Allez. Oula! Ok, c'était assez galère. Alors là, on retourne à. Allez, toi. Ok. Là, oui, il y a un truc. Voilà. Il y avait une pièce, ça se voyait. Allez, mais vas-y, toi! Qu'est-ce qu'on fait, là? Ok. Voilà. Vas-y, tranquille. Oula, c'est pas simple, quand même, comme niveau. Vas-y, ok. Oula, c'est assez tendu. Mais c'est sympa, il y a quand même de l'idée. Là, par contre, je vois pas trop. Ah, si, oh mon dieu. Ah bah mince, je l'ai envoyé là-bas, mais j'avais même pas fait gaffe. En tout cas, le jeu sur les lumières, là, il est vachement bien fait. Hein. Et il rend bien. Voilà. Ouf. Alors, toi, non, ok. Mince.
Voilà. Mince. Je l'ai fait trop tôt. Enfin, j'avais retiré trop tôt. Ah, encore un passage. Bon, dans ce niveau, par contre, les passages sont un peu évidents. Hein. Ah. Mince, je voulais pas. Ah, vas-y. Oula. Allez. Ok. Cool. Je sais pas où j'en suis au niveau des petits êtres. Ah bah il manque plus qu'un, donc ça doit être qu'on doit être pas très loin de la fin du niveau. Qu'est-ce que ça va être ça? Oh! Alors ça. Oh, mais ils ont fait vraiment du très beau travail du côté des lumières, je trouve. Par rapport au monde précédent, le monde précédent je l'avais trouvé magnifique, celui-là je le trouve quand même globalement un peu moins joli. Il n'y a que quand on était dans le sous-marin que j'avais trouvé ça vraiment magnifique, mais sinon globalement c'est un petit peu moins joli. Mais bah pff, mince, il a pas eu le truc. Mais enfin moins joli, c'est juste que moi j'aime moins. Mais ça n'empêche que sinon les lumières c'est vachement joli ça. Ce que j'aime pas trop c'est les tuyaux et tout, les trucs là un peu n'importe comment. Je trouve ça pas spécialement beau. Pas spécialement original non plus. Ça fait un petit truc steampunk, mais bon. Mince, ok. Bon, en bas je pense pas qu'il pourra le prendre. Vas-y, ça quand il va l'avoir? Bah. Ok, tout simplement comme ça. Là par contre c'est galère. Et je n'aurai pas la coupe d'or parce que j'en suis qu'à 512 lums donc. Ah mince, ah, ça j'aurais pu les rendre violets mais trop tard. Ah, il y avait ça en plus. Ah, il y a plein de caches que j'ai loupées en fait. C'est trop dommage. Enfin bon, moi j'en ai 450 donc j'aurai le truc à gratter. Voilà, ça c'est le plus important. D'ailleurs, on m'a demandé, enfin on m'a dit que je ne les grattais plus. Eh bien, oui en fait, je crois que je l'ai déjà expliqué en plus. Mais je trouve que c'est pas franchement intéressant de vous montrer le grattage. Donc je le fais en fait en dehors des épisodes. Mais vu qu'on me l'a réclamé, bon, à la fin de l'épisode, je vais aussi le faire encore une fois devant vous. Alors qu'est-ce que ça va être ce niveau? Ah mince, j'étais en train de ranger le stylet, j'ai oublié ça. Voilà, je l'ai eu quand même. Alors. Oula. Ok, tranquille. Mince, un peu moins tranquille que. Voilà. Ok. Voilà. Non, pas de passage. Alors, oula. Ok, donc encore un qui déconne. Mince, mince! Ah, je savais que je mettais trop de temps. Mais bon, je l'ai eu, mais en perdant mon cœur, ça c'est dommage. Bah, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Bon, rien apparemment. Alors. Ouah, ça j'avais même pas fait gaffe. Oula! Mince! Ah, ça par contre, je l'avais vu, mais je l'ai vu trop tard en fait. Mais ça doit être faisable. Ça doit être faisable. Alors, allez. Ok. Ouais, non, c'est bon, c'est pas dur. Voilà, tout simplement. Et voilà, chopé. Pas de passage, ok, bon, on continue. Alors, qu'est-ce que c'est? Oula. Ah, ok, d'accord. Un espèce d'ascenseur. C'est le deuxième dans ce niveau. Ok, il y avait un ennemi dans l'avant-plan. Assez original. Bon, il n'y a plus rien. Ah si. Mais ils ont trop la tronche du mec dans Splinter Cell là. Enfin, la tronche. Non, mais je veux dire le même masque et tout. Voilà, ah donc c'est bien ceux qui nous tirent. Ah bah, il a tué son pote. Lui par contre, il est un peu trop haut, non? Ah bah non. Oula! Ah bah ok, de toute façon c'était la sortie, donc Ah mais il y a toujours pas de passage secret. Ah, j'ai dû en louper un, parce que là, on s'avance quand même dans le niveau et j'arrive toujours pas à trouver de passage secret, c'est pas normal. Oula! Ça, j'aime pas trop. Ok, des fois il lance des canards et des fois.
C'est ça, ouais, des fois ils balancent des trucs électriques, des fois ils balancent des canards. Ok, pourquoi pas. Bah, toujours pas mort? Ah ok, donc ça c'est un ennemi qu'on doit avoir plusieurs fois. Il n'y en a pas beaucoup dans Rayman, des ennemis qu'on doit frapper plusieurs fois. Ça doit être même le premier que je rencontre. Enfin, sans compter les boss, mais oh, c'est trop mal joué là. Encore un. Le canard, il nous fait aucun dégât. Il est trop moche par contre. On dirait un espèce de Frankenstein, je ne sais quoi. Oh, voilà. Passage secret. Oula. Ok, ah! La difficulté, c'est qu'il est assez court. Heureusement, il y en a d'autres derrière, donc si tu le loupes, bah, tu peux toujours rattraper. Mince. Merde. Mince, désolé. C'est que je me suis trop. Bah, je me suis trop avancé, trop vite en fait. C'est mon problème, la patience, je l'ai pas trop. Alors, donc là, on va échanger. Voilà, on va partir par là. Bah, ah, oula, ok. Voilà, cool. Ah mince, bah là c'est dans l'autre sens, mais non, trop tard, j'attends l'autre. Voilà, vaut mieux prendre son temps, voilà, comme ça, au moins je l'ai, c'est cool. Mais c'est la reine, non? Ah oui, c'est la reine, ok, donc en fait j'en ai pas loupé. Je m'étais inquiété pour rien. Alors. C'est toujours une ambiance un peu de James Bond, j'aime bien, j'aime bien. Même si graphiquement j'aime pas trop, la musique là, elle est vachement bien, je trouve. C'est rien de transcendant, mais c'est quand même cool parce que on n'a pas l'habitude de retrouver ça dans un jeu de plateforme, ce genre d'ambiance musicale. Ça fait vraiment jeu d'infiltration, bah, d'espionnage quoi, c'est cool. Ou ça c'est tendu, mais non, c'est bon. Oh, ok, le truc pas prévenu. Ouf. Voilà, par contre je perds. Mince, okay, je perds tous mes cœurs. C'est incroyable comment je joue mal là. Je sais pas comment ça se fait. Ok, ça c'était aussi plutôt mauvais. Voilà, comme ça je peux récupérer ça. Oh, ils sont téléguidés, c'est. Ok. Ok. Voilà, faut attendre. Voilà. Allez. Ok, cool. En fait, c'était pas. C'est juste que je suis arrivé trop tôt. Sinon, c'était pas forcément dur. Ils sont tellement lents à tirer que. Que c'est. Ils nous posent aucun problème en fait. Oh, passage. Alors, ouh, mince. Ils se discernent quand même pas énormément du décor. Oula. Donc là, va falloir aller en dessous, obligé, voilà. Ok, ouh. Voilà. Délivré, ok. Par contre, j'ai l'impression que les lums, ça augmente, enfin que les lums, ça augmente pas très rapidement là. Ouais, non, j'aurais certainement pas les 600 encore à la fin du niveau. C'est galère. Oh, ça j'aime bien. Voilà, ça c'est cool. Voilà, en plus on peut tirer vers le haut, donc c'est vachement sympa. Mince! Ah, ça par contre j'avais pas fait gaffe. Il suffit. Ah mince, non, il suffit pas de rester. Oula! Ah bah c'est à ça que ça sert en fait, le fait de pouvoir balancer nos points. Oula! Ouais, là faut rester bien au milieu. Oula, ça je l'avais même pas vu en plus. Ah bah, ok. Je croyais m'être pris son truc. Ah, c'est marrant comme fin de niveau. Enfin, c'est pas la fin parce qu'il me reste encore des petits êtres. C'est assez sympa. Ouh! Ah bah, il va rester que lui en fait, je crois. Souvent, quand il y a ça, c'est dire que le boss est plus très loin. Allez. Mince! Oh, c'est pas possible! Ah, j'ai. Ok. Passer. Ah, bon, heureusement qu'on garde ce truc. Voilà. Ok. Mince. Oh, trop mauvais.
Je comprends pas, il y a... C'est encore le problème que c'est de ma faute, hein. C'est pas que le jeu a une mauvaise physique ou quoi, c'est de ma faute parce que je reste trop appuyé sur le bouton de course. C'est l'habitude de jouer au Mario parce que, comme je l'ai dit, quand on joue au jeu Mario, on ne lâche jamais le bouton de course, mais là on peut pas, faut absolument lâcher le bouton de course parfois. Et c'est une habitude qu'il faut prendre et j'ai tellement l'habitude des Mario que je ne l'ai pas. Ah oui, c'est vrai, faut sauter 3 fois dessus. Ouais, par contre, faut pas le prendre. Ça c'est pas très bon. Ah, là, un petit être. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'il m'en reste en plus. Les petits êtres. Ah bah, il y en a un là-haut. Voilà, ok, tout simple. Ah, mais c'est bon, en plus, j'ai largement les 600. Les 600 lume. Oh, j'ai du mal à le dire. Ok. Voilà, cool. Bah, le niveau va bien. Ah bah non, 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 il faut rattraper l'autre petit être. Et comme là, il y a une vie, ça veut certainement dire que ça va pas être cool, là. Ok. Ah ça, par contre, c'est sympa. Graphiquement, j'aime bien. Ouais, mais on repart dans cette ambiance steampunk que j'aime pas trop. Mais les courses-poursuites, c'est cool. Allez. Par contre, ça sert à rien de lui tirer dessus. Non. Oula, ouf, c'est. Bah, j'ai déjà les 600 lums, donc. Oula! Donc c'est même. Mince. Donc c'est même plus la peine que je. Ah, on réapparaît là! Oh. Ok, donc comme j'ai les 600 lums, c'est plus la. Ouf, j'ai eu peur. C'est plus trop la peine que je m'évertue à tuer les ennemis. Allez. Ok, c'est tendu ça. Ouais, faut dévier. Là, il y a ça qui nous suit. Là, j'aime pas du tout ce passage. Enfin, j'aime pas. Je veux dire, c'est super dangereux. Voilà, ok, buté. J'ai eu peur qu'il me tue par derrière. Mais je m'en suis débarrassé. Voilà, libre, ok. Ah là, il se barre. Bon, de toute façon, dans pas longtemps, il va se prendre une nouvelle raclée, donc c'est pas très grave. Voilà, en 742, ça doit être mon meilleur score jusqu'à maintenant. Ouais, je crois qu'il n'y a aucun niveau où j'ai fait 742 quand même. C'est énorme. C'est dommage qu'on garde pas le power-up, il est assez cool. Ah bah là, je vais faire le niveau pour sauver la meuf, là. Qui ça va être cette fois encore? Alors, sauve Emma. Ok, pourquoi pas. Ouh, ça a l'air spécial comme niveau. Le dojo du maître Shaolin. Oula, encore un truc comme ça? Bah c'est pas si mal, mais là ça a l'air assez tendu quand même. Oula, ok. Mourir du premier coup, ça par contre c'est pas génial. Bah, c'est pas sérieux. Et en plus, quand on redémarre, bah, on a perdu notre temps là. Bah, ok, par contre, faut recommencer le niveau. Non, non, je peux pas faire ça, faut vraiment recommencer. Sinon, j'ai perdu 15 secondes. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais à chaque fois qu'on recommençait. Oula, trop mauvais. Voilà, à chaque fois qu'on recommençait, bah, on. Oula. Ah, ok, bah non, c'est simple. Pourquoi j'ai perdu du temps? Ok. Normal. Ok, mais ça c'est impossible si tu sais pas, tu peux pas y arriver. Ok, voilà. Allez. Ouh, c'est dangereux. Voilà, ouf. Ah, la première cage. Mince, mais. Oh! C'est super tendu les pics, je déteste ça. Oh là, ok. Et bien sûr, là, il n'y avait plus de courant d'air. Alors ça... Ouais, effectivement, il n'y a plus de courant d'air. Mon Dieu. Et on garde pas la cage. Oh. J'allais dire...
Oh non, c'est pas sérieux. Jamais j'y arriverai. Jamais j'y arriverai. C'est incroyable. C'est. Oh non, c'est pas sérieux. Mais oh, le temps qu'on perd. Ok. Ouf, tant mieux. Allez. Non, doucement. Voilà. Ouf. Allez, ok. Je perds plein de temps. Voilà. Bon, ça me donne plus qu'un l'homme, mais tant pis. Bah. Oh non. Oh non. Voilà. Oh, c'est pas sérieux. Donc lui, si on lui donne pas de coup, bah il nous bute. Voilà, alors ça. Mince! Mais jamais j'y arriverai. Jamais j'arriverai au bout. Voilà. Oh ça. Ils auraient pas pu le mettre encore plus loin de moi. Alors qu'est-ce que. Allez. Mince. Ah oui, c'est le truc qui rebondit. J'avais oublié, j'appuyais comme un con sur le bouton A. Un truc bien inutile. Mince. Bon, je le finirai pas à ce niveau. C'est. Mince, ok. Bien sûr, ça s'est très mal joué en plus. Non, bah c'est bon. Incroyable. Bah, je sauverai pas ce perso, on dirait. Voilà, non. Ok. Non, je quitte. Parce que j'y arriverai pas. Et que je vais perdre trop de temps. Je réessayerai peut-être une autre fois, mais là, non, c'est pas la peine. C'est à cause des pics, ça me déconcentre, c'est horrible. Alors, en plus, il reste pas mal de niveaux. Alors, j'aurais peut-être pas le temps de tout faire dans cet épisode. Et mince, j'ai pas eu le truc, tant pis. Oula! Encore lui. Et on vient de lui faire une course-poursuite, ils vont pas nous en refaire une. Ok. Un espèce de dragon-poisson. Ah bah ça va être le boss quoi. Ça va être le premier boss qu'on n'a pas à battre. Ah bah non, c'est pas le boss. Oh non. Punaise. Ça commence, ça commence. Alors faut faire bien gaffe. Je sens que ça va être typiquement le niveau que si on connaît pas par cœur, on peut pas y arriver. Parce que là déjà je suis complètement perdu. C'est un miracle que j'ai survécu jusqu'à maintenant. Oula. Voilà, remontons. Et merde. Ouf, on recommence pas du tout début. Bah je recommence d'ailleurs juste là. C'est plutôt cool. Ah, ça c'est sympa. Voilà. Oh non. Ok. Oula. Vite. Oula, ouf. Par contre, je gagne bien tous les lums qu'il y a sur le chemin, ça c'est cool. Alors ça. Oh ok. Mort sur le coup. Oh non. On réapparaît là. Oh, c'est pas croyable ça. Je sens que ça va être une partie du niveau qui va me prendre longtemps. Voilà. Allez. Ok. Oui, donc là. Oh ok, je. Mince! Mince! Oh non! Et voilà, les emmerdes commencent. Comme je l'ai dit, je sens que ça va durer très très longtemps. Je sais pas combien d'essais je vais faire, mais. Ça va, c'est super facile en fait, c'est très dirigiste. Mince! Sauf quand on fait ça. Mais sinon, non, c'est simple. Voilà. Ok. Voilà. 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 Alors, donc là on va en haut. Ensuite, on. Mais pourquoi il est trop propulsé? Il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve.
Je me rends quand même compte que je me fais 50 lums là juste sur ce passage. Je crois que c'est 150 qu'il faut pour ce genre de niveau. Voilà, allez, tranquille. Voilà, alors là, maintenant. Je comprends. Ah, ok, faut le faire doucement. Voilà, ouf. Je suis sorti de cela, maintenant. Ah. Allez. Oula. Ah mince, faut prendre les courants. Ouf, on réapparaît là. Alors ça, heureusement. Oh, vite, vite. Et mince, ok. Oh, la première fois je l'ai fait, maintenant je vais trop galérer, c'est obligé. Et merde, à chaque fois que j'arrive à faire un truc la première fois, si je perds, et bah après je fais que de perdre juste avant en fait. Voilà, allez. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que si je saute là, il y a... Ah ok. Ah voilà, bon. Ok. Mais c'est vrai que j'avais oublié, mais avant les combats de boss, il y a souvent un niveau comme ça. Ah oui, bah les 150, je les ai pas. Ah non, c'est 100. Bon, bah c'est bon, je les ai. Voilà, allez. Donc maintenant, on va passer bas au boss, quoi. Ouais, je crois. Oui, après, c'est le niveau musical, donc machine infernale. J'imagine donc que le boss va être une machine, hein. Alors, voilà. Ok, qu'est-ce qu'ils vont nous trouver encore? J'aurais bien voulu combattre le dragon là qu'il y avait. Il avait l'air cool. Oula! Ça, il me le faut. Voilà, heureusement que ça tombe pas, ces plateformes. Oh non. Oh non, c'est pas sérieux. Oh. Pourquoi il s'est pas accroché à la plateforme? C'est pas croyable ça. Oula! Et merde. Et merde, ok. C'est pas croyable, je suis même pas au boss que je fais que de perdre. Voilà, ok. Débarrassé. Oula, qu'est-ce que... Ah oui, ok, non, normal. Voilà. Tout simple. Donc là, ça va être le boss. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble au dragon qu'on vient de battre, mais en version robot. On dirait sa queue. Mais je n'en sais rien. Ok, pour l'instant on peut faire de dégâts nulle part. Oula! Ah bah si, c'est peut-être le truc qu'on vient de battre. Peut-être qu'en fait c'était un robot. Allez, ok. On va pas faire un combat sur des mini-plateformes comme ça. Oula! Qu'est-ce que ça signifie ça? Ah voilà, ok. Un laser. Voilà, maintenant, faut tirer dans le joyau, ça c'était évident. Bon, ça va. Pour l'instant, je comprends. Ah, elle s'est pétée cette plateforme. Ah bah, apparemment, faut avancer. Oula. Ok. Voilà. Ah mince, ouf. Ok, c'était tendu. Oh non, ça par contre j'aime pas trop. J'aime bien dans les niveaux, mais contre les boss c'est toujours assez chaud. Oula, ah mince. Ah non, ça c'est cool en fait. Là donc là, ah oui, ok. J'ai compris au dernier moment à quoi ça servait. Voilà, cool. Donc 2 points de dégâts. Allez. Mince. Oh, c'est cool ça. Voilà, et comme ça en plus j'ai eu le petit être au passage. Et là, ah, faut aller en bas. Ok, je comprenais pas. Tout s'écroule et d'ailleurs on est dans l'eau. Oula, on va finir le combat sur ça? Moi je veux bien, mais ça m'a pas l'air vachement précis, si. Mince, oh non, c'est pas croyable. J'ai fait un sans faute jusque-là et oh non. Ok, j'essaye de monter sur la plateforme, mais apparemment on ne peut pas en fait. Je crois que c'est même pas la peine d'essayer. On ne peut pas. Je comprends. La plateforme, en fait, il faut se cacher en dessous.
tout simplement, voilà. Pour ces lasers, il faut te cacher sous la plateforme. Et passe... Mince, bah... Ok, il s'est... Il s'est re... Enfin, il a refermé sa bouche bien vite. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se... Voilà. Allez. Et voilà. Bon, bah normalement c'est 3 coups, donc il doit être fini là, je pense. Ouais, il en a bien l'air. Si c'est le cas, bah en tout cas c'était assez simple comme boss. Je l'aime bien, mais même si c'était assez simple, mais ça va parce qu'il avait 3 phases qui étaient quand même bien différentes. Donc ça c'est plutôt cool, c'est un bon point. Donc lui voilà, ok, encore coincé. Voilà, allez, non mince. On charge, ok. Ah, ils font une mélodie en fait, je sais pas si vous remarquez, mais ils font une mélodie. Ah, c'est marrant. Bien trouvé. Ah, par contre, les deux autres, là, ils ont pas de fourche. Il lui tire les jambes, pourquoi pas. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Ok, donc là, on va faire le niveau musical. Glou glou. C'est ce que j'arrive à lire, là, dans ce qui reste. Ouais, glou glou. Un niveau musical sous l'eau, j'imagine. Ah bah, même en français, ça donne glou glou. Ok. Oui, j'imagine bien niveau musical marin. Enfin, sous-marin. Ouais, c'est ça. Ça, j'aime pas trop. Mince, ok. Oh. Mais c'est trop imprécis sous l'eau. C'est impossible d'avoir fait ça sous l'eau. Pourquoi ils ont fait ça sous l'eau? Oh non. Oh. Mais il était pas dans un trailer ou dans une vidéo explicative. Je pense bien parce que ça me dit quelque chose, ça. La musique. Mince. Et bien entendu, les niveaux musicaux, quand on perd, on recommence du début. Pas systématiquement, mais bien souvent. Très tendu. Mince. Oh! Mais comment je pouvais le deviner, ça? Ah bah, ok, heureusement qu'on réapparaît là. Ça m'aurait fait tellement chier de réapparaître au début. Allez. Mince, mais comment on fait pour attraper les violets? C'est impossible. Ou à moins de connaître le niveau par cœur et la physique de l'eau avec. Par contre, j'ai eu aucune cage depuis le début là. Ah, ça me donne des lames ces trucs là, ça je savais pas. Mince. Non, bah je veux crever. Non, non, stop, voilà. Je veux la cage, c'est impératif. Parce que je ne le referai sûrement pas. Parce qu'il est pas génial. Enfin, c'est pas qu'il est pas génial, mais vu le niveau musical qu'il y a eu juste avant, enfin au monde d'avant, celui-là il peut être que moins bien vu que c'est. Enfin, je sais pas, il était vraiment extra en fait. Mince. Non, non, meurs, voilà, ok. On réapparaît là? Ah non, ok, ouf. J'ai eu peur. Où est la cage? Ah là. Voilà. Ah, ça c'est cool. J'aime pas, vraiment pas les niveaux sous l'eau, donc là c'était mieux. Je crois que ça doit être 300 lums ce qu'on me demande. Je sais pas si je les aurai, j'espère. Mais le niveau doit s'approcher de la fin. Ouais, la dernière cage, donc ça doit plus être très long. Ah, j'aimerais bien récupérer quand même 8 là. Ce serait chiant de... Ok, c'est bon, c'est bon. Si c'était bien 300, ça c'est pas sûr. Ah bah on est revenu à l'île du tout début. Regardez là, c'est l'île du tout début. Ah bah en fait c'est bien, parce que ça fait un cycle en fait. Ça fait que le premier niveau du monde, et bah on démarrait sur l'île, on allait sous l'eau, et là en fait bah on a fait tout le tour de la zone et on revient au début. Donc c'est vachement cool ça par contre. J'adore ce genre de...
je sais pas si c'est volontaire ou si c'est un recyclage d'un fond qu'on avait déjà, mais en tout cas, si c'est fait exprès, c'est vraiment vachement ingénieux. Ça, j'adore ça dans les jeux. Voilà, 5 nouveaux tickets surprises, ok. Alors, donc je l'ai gratté, hein, cet épisode va être un peu plus long que prévu, mais de toute façon, là, je vais plus faire de niveau, hein, je vais vraiment vous montrer où j'en suis au niveau de mes créatures et de mes costumes. Donc, si ça vous intéresse pas, je vous invite tout simplement à revenir bah, dans 2 jours quand il y aura le nouvel épisode de Rayman Legends. Voilà. Alors, ok, des petits êtres. Surtout que je sais que bientôt, regardez, là, on me demande 400 petits êtres pour ouvrir ce monde. Alors, les 400 petits êtres, je les aurai jamais dans le monde prochain. Donc, à mon avis, il va falloir que je fasse quelques niveaux en fait, enfin quelques vidéos dans lesquelles je retournerai certainement dans les niveaux d'Origins. Si c'est les seuls moyens de gagner des petits êtres, j'en sais rien, peut-être qu'il y en a d'autres. J'ai pas encore fouillé de ce côté-là. S'il y en a d'autres, je ferai peut-être d'autres choses, mais si on est obligé de repasser par les niveaux d'Origins, bah alors je ferai quelques vidéos sur Origins le temps que je gagne les petits êtres qui manquent. Voilà. Oh, un perfect Lums, cool. Alors, ok. C'est cool de gagner des fidgets là-dedans. Encore des créatures. Ah, faut que je vous montre parce que les créatures, j'en ai vraiment beaucoup maintenant. Tais-toi, voilà. Alors, ok. Donc, encore un Back to Origins. Ok. Donc, allons voir les créatures. Il y en a vraiment beaucoup maintenant. J'ai même une famille complète, je crois. Ouais, j'ai une famille complète. Enfin non, 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 j'ai un étage d'une famille complète, voilà, c'était là. Ah oui, j'en ai vraiment pas mal. Alors. Et je viens en plus tous les jours chercher les lums qu'ils me donnent. Et voilà, donc c'est là que j'ai une ligne complète, et donc ça me fait gagner une coupe, voilà. Alors, les costumes. J'en ai apparemment pas gagné de nouveau. Voilà, donc vu que j'en ai pas gagné de nouveau, et ben je ne peux pas y aller directement. Je peux pas m'y téléporter. Il y a 260 petits êtres à gagner là, donc voilà. Heroes, ok. Alors, donc au niveau tout ce qu'il y a de ce côté-là, vous les avez déjà vus parce que c'est toutes les filles là qu'on a débloquées bah, au fil des mondes, quoi. Et alors. Voilà, donc là, lui, ça c'est un petit être en Globox. Ça c'est Globox Luigi. Hein. Donc tout simplement celui des bandes-annonces. Ça c'est Rayman en Globox, je l'ai trouvé assez stylé. Il ressemble surtout à l'un des pouvoirs spéciaux que Rayman avait dans Rayman 3. Je sais plus lequel c'est. Celui où il tirait des chaînes, il me semble. Ça, Ren petit être, ok. Ok. Les petits êtres, je connais pas trop. Voilà, et après, bah, il m'en reste quand même pas mal à débloquer. J'en aurai un nouveau bientôt. Et le dernier, je me demande vraiment ce que c'est là, à 100 000. Il a l'air de ressembler à rien du tout. Enfin, à rien que je connais. C'est-à-dire qu'il a l'air de ressembler ni à un petit être, ni à Rayman, ni à Globox. Ça doit être un truc vraiment spécial. Bah, sinon, tous les autres, regardez. Ça se voit que ce sont juste des petits êtres reskinés. Quoique là, ça a l'air d'être un mini Globox. Mais là, ouais, après, c'est des petits êtres. Enfin, là, ça a l'air d'être un grand petit être. Mais là. Bizarre, il a pas la même pose, il fait pas les mêmes mouvements, c'est très bizarre. Là, je sais pas trop. Ah ouais, non, il a l'air d'avoir d'autres trucs originaux. On verra. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode de mon esprit de Rayman Legends. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode dans lequel bah, je vous montrerai tout simplement le nouveau monde de jeu. Voilà. Merci à tous. Bye!